Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Tu as réussi. J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant. Surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. As-tu découvert pourquoi les gens évitent cette grotte ? Pour une raison ridicule. Une rumeur affirme qu'elle rend les gens fous. Je n'ai rencontré personne qui aurait été dans la grotte, cependant. Donc soit il s'agit d'une rumeur, soit tous ceux qui y sont allés n'étaient pas en état d'en parler par la suite. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Revelio. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies, si ? Eh bien, on va pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas ? Revelio. 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 Confringo. Reflexo. Revelio. Lumos. Revelio.
faut s'y faire. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du Faucifer rend tous ceux qui l'entendent. Confringo! Reparo. Revelio. Revelio. Action. Si la pierre de lune est ici et les fossiles ici, je me demande si elle est prête. Revelio. Expelliarmus, Bombarda. Confringo. Difindo. Revelio. Action. Revelio. Action. Pourquoi je ne suis pas surprise? D'abord les fossifères et maintenant ça. Revelio. Descendo. Nous devons trouver Lumos. Des papillons pour ce métier à tisser. Lumos. Lumos. Action. Revelio. Revelio. Action. Répulsion. Revelio. Un autre obstacle. Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'on trouvera un moyen de traverser. Action. Revelio. Action. Lumos. Lumos. Revelio. Yeah.
Revelio. C'est magnifique. Répulsion. Lumos. Revelio. Bombarda. Confringo. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Confringo. Bombarda. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Bingo. Revelio. Expelliarmus. Bifindo. Confringo.
Bombarda. Arrête au momentum. Classique. Les vieux sont. Revelio. 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 Action. Revelio. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Action. Repulso. Revelio. 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 Revelio.
Lumos. Revelio. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Revelio. Griffindo, Confindo, Espelliarmus, Bombarda, Legioso. Regarde, l'eau bouillonne, c'est étrange. On va jeter un œil ? Tu as lu dans mes pensées. Rébellion. Là, de Merlin, c'est encore plus beau de près. C'est là, j'en suis certain. Confringo. Étant donné ce que peuvent Rébellion. Faire, je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse d'en voir autant. Je ne sais pas, je les écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Très Confringo. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers sont venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. La voilà. J'ai l'impression de... Eh bien, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à la rapporter au Cromlech. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. On y va ? Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit.
c'est le Cromlech, exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlech. Quoi que ce soit, j'espère que c'est en rapport avec les vivets. D'ailleurs, il vaudrait mieux ne pas traîner. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Comment va ta grand-mère, d'ailleurs ? Ma grand-mère est comme... Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain braconnier qui se présente à sa porte. Elle sera sûrement contente que je sois partie à la recherche des vivets. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister? Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse, mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune deux fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur elle céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré elle céleste, je... Vous vous êtes rencontré comment avec elle céleste? Et j'aimerais t'en parler. Il y a environ 5 ans, elle céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer. Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré elle céleste et on s'est enfui. On a volé longtemps, jusqu'à ce que je vois des veaux de lune danser. On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage, un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré elle céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. Je viens d'une famille de braconniers. Par Merlin, je ne sais pas quoi dire, Poppy. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Je n'étais pas comme eux. Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années. Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec elle céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage! Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais. J'ai eu un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais je suis contente que tu le saches. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Comment était-ce de grandir au sein d'une famille de braconniers? Je me souviens qu'on déménageait tout le temps. On était toujours à la recherche de la prochaine proie. C'était chaotique et dangereux. Aucun enfant ne devrait grandir dans ces conditions. Est-ce que tes parents savent ce que tu fais maintenant? Comme sauver ce dragon de l'arène, par exemple? On ne se parle pas. Ou plutôt, ils ne me parlent pas.
Aux dernières nouvelles, ils étaient à Bornéo, pour tenter de s'enrichir avec des acromantules. Mais je ne serais pas surprise qu'on leur ait donné des nouvelles de moi. Parfois, une partie de moi l'espère. Maintenant que j'ai grandi, j'aimerais leur parler, essayer de les raisonner. Malheureusement, je crains que ce soit sans espoir. Il y avait tant de braconniers dans la tente. Tu n'avais pas peur qu'ils te reconnaissent ? Les braconniers sont nomades, et ceux de la région ne font pas partie du groupe avec lequel j'ai grandi. Cela dit, je suppose que quelqu'un m'a reconnu. C'est ce qui les a menés à ma grand-mère. Je suis content que tu me l'aies dit. On devrait retourner auprès de Doran. Il faut qu'il voie le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Est-ce que tu as fini ton dessin ? Presque. Je pense que le motif est... un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait bien « Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets », non ? Mais bien sûr, c'est ça. Nous devons montrer ça à Doran, même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil. D'accord. Si tu es prête, on peut y aller.